Bonjour Lydie. Bonjour Mélanie. Lydie, vous êtes directrice d'un bar à ongles depuis 10 ans. Ensemble, on va répondre à la question de Stéphanie qui a 33 ans, elle habite à Saint-André et elle a un dilemme. Elle adore mettre du vernis, sauf que son mari ne supporte pas l'odeur du dissolvant. Est-ce qu'il est possible d'enlever son vernis avec autre chose que du dissolvant ? Non, alors autre chose qu'avec du dissolvant, non. Mais par contre, c'est vrai que jusqu'à présent, enfin encore il y a quelques années de ça, le dissolvant était très chargé en acétone. Et maintenant, pour des questions de santé, on a supprimé de plus en plus l'acétone, voire diminué vraiment à zéro, et remplacé par une autre substance qui est moins nocif et en plus parfumée. Donc, est-ce que c'est l'acétone qui rendait cette odeur un peu insupportable? Oui, bien d'accord, sûr. D'accord, donc sans acétone, plus d'odeur. Plus d'odeur. Et en plus, vous dites qu'ils ont même rajouté des odeurs. À quoi on peut avoir son dissolvant alors? Ah ben là, actuellement, nous, on utilise du dissolvant à la pêche. À la pêche? Ouais, c'est souvent parfumé à différentes odeurs de fruits. En deuxième solution, des petites lingettes qui existent, on peut mettre même dans son sac de filles, etc., qui sont parfumées et sont très... À la fraise? Oui, voilà, c'est ça. Et ensuite, vous avez également des petites éponges où on enfile le doigt dedans et on tourne. Et voilà, c'est très discret, on tranquille avec son dissolvant. Où est-ce que Stéphanie peut se procurer, par exemple, cette petite boîte de lingettes? Est-ce que ça s'achète en grande surface? Alors, les petites lingettes, peut-être pas en grande surface, hein, plus dans les pharmacies, mais les éponges également. Par contre, tout ce qui est dissolvant en bouteille, vous pouvez les retrouver dans les grandes surfaces, pharmacies. Et après, bien sûr, le must, c'est dans les ongleries, mais c'est pas une obligation. Et ça doit être horriblement cher, non? Non, le dissolvant reste accessible à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que les petites lingettes, c'est vraiment occasionnel, c'est dans le sac. Donc c'est un petit peu plus cher, mais cela dit, les bouteilles de dissolvant sont bon marché, vous en trouvez à tous les prix. Quelle petite astuce on pourrait donner à Stéphanie pour son problème de dissolvant? Alors Stéphanie, il va falloir qu'elle soit un peu plus vigilante quand elle va chercher son dissolvant. Déjà de vérifier qu'effectivement dans son dissolvant il n'y ait pas d'acétone et vérifier également qu'il y ait des vitamines, la vitamine C qui sera là aussi pour protéger l'ongle au moment où on va retirer le vernis et que ce soit moins agressif pour son ongle.